Bonjour à tous, bisous à tout le monde, j'espère que vous allez bien pour cette fin de semaine. Voilà, j'ai fait un petit tour, j'avais le temps, j'ai fini mon travail avant et j'ai fait un petit tour à Action L'Homme parce que comme je vous avais dit la dernière fois, Action qui venait juste d'ouvrir chez moi, il n'y avait plus de piscine. Et là, je me suis dit, bah, tiens, je vais faire un petit tour. Et j'étais Action L'Homme et sans mentir, il y en avait 12. Il y avait 12 piscines. Voilà, il y avait 12 piscines. Mais l'inconvénient, c'est comme je suis à pied, là, je ne peux pas les prendre. C'est ça qui est bête, je ne peux pas les prendre. En espérant que demain, demain, il y en aura, quoi. On va faire peut-être un petit tour à Action Nouveau, peut-être qu'il y en a remis. En espérant qu'il y en a une parce qu'il fait énormément chaud. Je sais pas combien il fait chez vous, mais ici il fait énormément chaud, soi-disant il fait 29. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux dire bonjour? Voilà, il dit bonjour, tout simplement. Voilà, alors comme je vous ai dit, j'ai fait un petit tour à Action L'Homme et je devais acheter aussi le petit ventilateur qu'on met sur l'ordi, ben, on n'avait plus non plus. Alors, je vais commencer. Alors, je vais commencer, je vais taper un petit papier, presque rien. Alors, bien sûr, j'étais Action pour boire, parce que j'avais énormément soif. Ça, il valait 60, un petit 60 et des poussières, 64. Bien sûr, des bifis, parce que quand on travaille du matin, ben, on a un peu faim. Par contre, j'ai acheté aussi tout ce qui est déco, parce que j'ai l'intention de faire des petites DIY. J'en ai déjà fait un et je ferai une petite vidéo sûrement ce week-end de ce que j'ai fabriqué. Et ben, j'ai acheté plein de trucs, quoi, parce qu'il y a plein de petits trucs qui sont dans ma tête que j'ai l'intention de faire. J'ai déjà fait un, j'en ai fait trois autres, mais ils sont pas terribles, alors je vais les recommencer. Je ne dirai pas plus, vous verrez ce week-end. Alors j'ai acheté des petits trucs comme ça. Voilà. J'ai acheté ça s'appelle des déco-tapes. C'est des autocollants. Voilà, c'est des autocollants. Alors, il y en a deux comme ça. 5 cm sur 3 mètres. Et j'en ai pris deux autres comme ça. Il valait 80, 99 centimes, je crois. Ou 89 centimes. Je sais plus. 99 centimes. Et j'en ai pris deux autres comme ça aussi. Celui-là, il valait 89 centimes aussi. Tout ça, c'est autocollant. C'est ça que j'aime bien. C'est autocollant. Alors bien sûr, j'ai pris ça. J'en ai déjà en argent, j'en ai aussi en bleu. Et il me fallait du rouge pour customiser un petit truc aussi que j'ai fabriqué. Et ça, j'ai payé 80, 89, ouais, 89 centimes parce que j'ai écrit mal. C'est des rubans adhésifs. Des rubans adhésifs diamants. 89 centimes. J'ai repris ça. Pourtant j'en ai, mais j'en ai pas assez parce que j'ai repris des trucs comme ça. Parce que quand vous voyez bien, il n'y en a que deux. Par exemple, il y en a un ici, par exemple. Des panthères. Comment on dit ça déjà? Des cigognes? Des flamants roses, pas des cigognes. Il y en a un ici, puis l'inconvénient, c'est qu'il y en a un blanc, quoi. Ah non, oui. C'est comme les ananas, il y en a un rose. Normalement, c'est deux par deux, normalement. Il y en a huit. Alors, j'en ai pris deux comme ça. Les mêmes. Parce que pour customiser quelque chose, avec une feuille, il n'y en a pas assez, quoi. J'ai déjà customisé, vous rappelez, le sac que j'avais fait. J'avais mis l'intérieur avec ce truc-là. Moi, je trouve que ça fait beau. Je vous ferai montrer aussi dimanche. La finition, parce qu'il me restait presque plus rien à faire sur ce sac-là, le sac blanc-là. Alors ça, je l'ai payé, si je ne me trompe pas, 49 centimes. Ou 80 centimes. Bon, de toute façon, c'est moins d'un euro, tout simplement. Enfin, je les ai marqués, mais l'inconvénient, c'est 86 centimes. Oui. Dans les 80 centimes, quoi, tout simplement. J'ai pris ça. Je me suis dit, je vais essayer. C'est des feutres calligraphie. On peut écrire surtout quoi, le carton, le papier. Et il y a plusieurs, je crois qu'il y a plusieurs mines. Il y a du 2, il y a du 3,5 et il y a du 5,0.
Je vais voir ce que ça donne pour écrire des petits mots sur les petits trucs que je vais faire. Parce que je voulais acheter les gros feutres dans la boîte là, mais je sais pas si ça va m'en servir quoi, de toute façon. Si les personnes se sont déjà servies, vous savez, c'est des gros feutres dans les grandes boîtes qui valaient 3,95 €, je crois qu'il y en a 6 dedans. Vous me dites à quoi ça sert exactement, si on peut écrire sur du papier, sur du carton, si on fait des dessins. Si vous pouvez m'expliquer exactement à quoi ça consiste. Moi, j'ai pris ça. Pour le prix, il valait 80 centimes moins d'un euro. J'ai pris, par contre, j'ai pris ça. Ça, je prends jamais. Et j'ai pris ça parce que j'ai vu des petits DIY sur Internet et je vais à peu près essayer de faire à peu près identique. Alors, tout ce qui est dessus, bien sûr, c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur. Moi, j'adore celui-là. Il doit être creux. J'avais même pas fait attention, en vérité. Oui, c'est des doubles faces. J'aime bien, quoi. J'aime bien parce que ça fait vintage. Et puis, de toute façon, à l'homme, il n'y avait presque plus rien, quoi. De toute façon, il faudrait peut-être que je fais un petit tour ailleurs. Quoi. Ça, par contre, il valait 1,99 €. Il y en avait des autres, mais je n'aimais pas trop, quoi. Ça faisait floral, avec des fleurs. Ça, c'est pas mon style. Et j'en ai pris deux autres. De 80, de 1,89 € de cette grandeur là, et j'aime bien ces styles là, ces styles là, c'est ce style là, ce style métallique, trop bien. Les pierres, une sorte de bois, cailloux. Dans ma tête, je suis en train de penser, on prend tous des petits trucs comme ça, on colle sur un mur. Ça fait style pierre. Il faut bien les coller par contre. Ça, j'adore. Ça fait style ferraille, ça fait trop bien, quoi. Style pierre aussi. Là, métallique, métal. Alors, j'ai pris celui-là et j'ai pris celui-là parce qu'il y en a un que je kiffe. Ça, on dirait de la paille. Ça, on dirait du jean. Du sable. Et moi, j'adore. On dirait du cuir. Là, je sens que je vais faire un truc. Là, ça va faire vachement trop beau. Et j'espère. Il y en a quatre à chaque truc. Là aussi, on dirait une sorte de cuir. Là, des jeans, on dirait. Là, de la paille. Là, le truc bleu. Mais le truc vachement beau. On dirait vraiment. Sans mentir. Hein. Du cuir quoi. Trop trop bien pour 1,89 €. Et vous vous rappelez sur ma vidéo d'avant, j'avais acheté. Oui, il y a des youtubeuses qui sont très ravies de ce que j'ai pris quoi, parce que j'ai marqué que c'est très rare, même très 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 rare, de tomber dessus, sauf quand il y a une action qui vient juste d'ouvrir, hein. On accumule. Alors, j'ai déjà utilisé un hier. J'ai utilisé celui-là. Qui fait pour les peaux grasses et tout ça. Je me suis nettoyé le visage. Et normalement, il marquait entre 15 et 20 minutes. J'ai laissé 30 minutes. Et quand j'ai retiré, ma peau, elle était. Je sais pas. Elle était douce et pas tirée. Pourtant, il est marqué simplement idéal pour les pores obstrués et les peaux grasses. C'est ce que je disais. On dirait qu'elle respirait. Ça faisait rafraîchir, quoi. Ça faisait rafraîchir. Ça faisait du bien. Sans mentir, ça faisait du bien. Je comprends pourquoi les gens ils sautent dessus, quoi. Je dirais pas qu'on met ça et on rajeunit de 20 ans non plus, mais enfin, je trouve que ça calme le stress de la journée et de tous les sacs. Tous les sacs, tous les cartons, tous les masques, exactement, que j'ai pris. Il y a une youtubeuse que j'ai vue, que j'ai regardée, que je me suis abonnée aujourd'hui avec elle parce que je trouve qu'elle est top.
Et je me suis dit, bah, ça alors, bah, je ne l'ai pas. Et je me suis dit, bah, de toute façon, je vais aller à l'homme, il n'y aura rien, bah, sans mentir. J'en ai trouvé. Je suis tombée sur mon derrière, on pourrait dire. J'en ai trouvé. Il restait plus grand-chose, il en restait 3 ou 4, 5, 6, quoi. Mais j'ai trouvé celui qui me manquait. Oui, cela. Il me manquait celui-là. Je vous avais dit la vidéo d'avant qui m'en manquait quelques-uns parce que je ne les ai pas tous pris. Et là, je l'ai pris parce qu'en l'écoutant, cette youtubeuse, elle avait dit que c'était pour. Alors, déjà, c'est au masque visage. Alors, c'est au quoi? À l'extrait de vin dérivé de rétinol. C'est peut-être pour ça que je n'ai pas pris. Mais l'inconvénient, c'est que quand le youtubeuse, elle m'a dit, c'est aide à minimiser les signes prématurés de l'âge. C'est-à-dire, c'est bien pour moi, quoi. Alors, je crois que je vais en essayer un ce soir. Mais l'inconvénient, c'est que je ne sais pas combien de fois on peut le faire. Quand on en met un, par exemple, aujourd'hui, est-ce qu'on peut le refaire le lendemain? Est-ce qu'on peut mettre des masques tous les jours? Et c'est le masque 20 à 30 minutes. Il est marqué 30 minutes, là, par contre. C'est vrai, il n'est pas vraiment marqué une fois par semaine ou. Alors, s'il y a des personnes qui le font, j'aimerais savoir s'ils le font tous les jours ou si c'est bon pour la peau, si c'est pas bon pour la peau. Sachant que j'en ai déjà mis un hier pour savoir ce que c'était. Là, je vais en remettre un ce soir. Je vais mettre celui-là pour savoir ce qu'il en est. Vous me dites si on peut mettre tous les jours. Si on peut mettre tous les jours, hein, j'en mettrai un tous les jours. Ben voilà, ça c'était une petite vidéo. Ah non, 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 ben non, j'ai oublié un petit truc, voyons. Je suis allée à Primark parce que la dernière fois que j'étais à Primark, j'ai acheté des dessous que je n'ai pas fait montrer, mais l'inconvénient c'est que le dessous du haut, parce qu'on ne peut pas échanger les dessous du bas, ben, le dessous du haut, ben, j'aimais pas du tout. J'ai cru que c'était beau, mais c'est pas beau du tout. J'aimais pas du tout, alors j'étais au magasin et je voulais me faire rembourser, mais elle m'a dit non, on peut pas vous faire rembourser. Nanana. Pourtant, il marquait rembourser, mais enfin bref. Alors, elle m'a dit, vous pouvez échanger. Alors, ben, j'ai échangé. Alors, mon dessous, quand même, il valait 8 euros. Puis, cette chose que j'ai pris, il valait 13 euros. C'est-à-dire, j'ai payé 5 euros le petit taux. Le petit taux. Alors, le petit pot, c'est un truc blanc, hein, bien sûr, spécialement vegan. Tu vas voir ce que la maîtresse a acheté? C'est un petit pot comme ça. Et oui, encore, j'aurais dû enlever ça. Encore les épaules dénudées. De toute façon, c'est la mode. Puis de toute façon, en Primark, il n'y avait rien du tout qui m'intéressait. Puis le monde, j'en avais un peu assez, quoi, avec la chaleur. Plus le monde, c'est atroce, quoi. On est bousculé, on est écrasé. C'est atroce, quoi. Voilà. C'est un petit haut comme ça. Alors ça, c'est sur les épaules. Et ça, c'est sur les bras avec les manches longues. J'ai pris taille 38. Parce que je trouve que taille 38, quand même, déjà c'est élastique. On peut mettre plus qu'une taille 38, quoi. Je me suis dit, j'espère que ça va. Alors j'espère que, bah, que vous aimez. En sachant que j'ai fait mes petites vidéos avec mes petits vêtements et mes petits essais, les personnes, ils ont adoré. Alors je me suis dit, ça va quoi. J'ai un bon style quand même, encore pour mon âge, quoi. Voilà. C'est un petit truc comme ça, tout simplement, quoi. Moi j'aime bien. En plus, il est blanc, et avec celui-là. Il est trop bien. Et ces petites choses-là, comme je vous ai dit, ils valaient 13 euros, quoi. Sans plus. Voilà, alors ça c'était ma petite vidéo, sans plus quoi. Par contre, ce que je voulais vous dire aussi, je suis encore assez loin quoi, quand j'arriverai à mes petits 300 abonnés, j'aimerais bien faire un FAQ ou un FAQ, c'est ça? C'est ce qu'on dit? Les personnes, les youtubeuses qui le font. Poser des questions, une vingtaine de questions à peu près pour comme ça, par curiosité, pour savoir qu'est-ce que vous allez poser comme question sur moi. Comme vous savez à peu près le trois quarts ce que j'ai fait déjà deux petits trucs. Et puis on ne sait jamais quoi. Déjà arrivé à 300 abonnés, hein, je suis à 218.
On a encore le temps. Vous pouvez réfléchir à ce que vous allez me poser sur moi, tout simplement. Bon, bah, je vais vous laisser en fin de journée. Vous reposer de votre dure journée de travail. Ou ceux qui sont déjà en vacances, votre journée de bronzage. On va sûrement se voir demain, parce que demain, je vais sûrement retourner à Action pour savoir déjà s'il y a la piscine et puis autre chose. Et puis, je vais sûrement faire un petit tour à Nose aussi. Sinon, bah, bisous à tout le monde. Et bah, ouais, mon loulou, il est là. Il boude, je ne sais pas pourquoi. Tu boudes? Non, c'est parce qu'il a vu mon petit truc ici, et puis il va jouer avec, quoi. Non, ne touche pas ça. Bisous à tout le monde et bisous à tout le monde. Allez, bisous. Au revoir.